Bienvenue à tous dans le quatrième module de la formation en ligne en 10 parties qui est destinée aux nouveaux bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. La présente session est consacrée à la gestion financière de votre subvention du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. À la fin de cette session, vous devriez être en mesure de comprendre comment appliquer les règles et les procédures financières du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU et d'ONU Femmes, et d'assurer le suivi, l'examen et le contrôle de la mise en œuvre financière de votre projet. Ceci dans le but de publier un rapport financier satisfaisant aux exigences du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Les principales activités sont les suivantes. Consignation et tenue appropriée des dossiers et des registres, préparation des rapports financiers périodiques et examen régulier de la performance. Alors, aperçu de la gestion financière. L'objectif ultime de la présente session est de vous aider à soumettre un rapport financier exact dans les délais impartis. Le rapport financier donne une présentation chiffrée de la mise en œuvre de votre projet. Le rapport financier est nécessaire car, en tant que bénéficiaire, vous êtes responsable des fonds qui vous ont été confiés et vous êtes tenu d'atteindre les résultats que vous vous êtes engagé à obtenir lorsque vous avez signé l'accord avec le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Le rapport financier est un document qui satisfait aux exigences du bailleur. Ce rapport permet au bailleur et à l'organisation soumettant le rapport de mener un suivi de l'efficience et de l'efficacité de la mise en œuvre et dans certains cas de l'améliorer. Le rapport financier permet aux bénéficiaires de planifier pour l'avenir si nécessaire et de procéder à des ajustements. La solidité d'un mécanisme d'élaboration de rapports financiers repose sur trois tâches qui sont élémentaires mais très importantes. Le suivi, que vous voyez ici, l'examen et le contrôle de vos dépenses. Le suivi consiste à consigner les dépenses à l'aide d'outils basiques tels que Excel ou alors des outils un peu plus complexes comme un système de comptabilité professionnel. Toutes les dépenses doivent être consignées et comparées au budget et au plan de travail qui a été approuvé dont vous disposez. L'examen de vos dépenses exige une bonne tenue des dossiers, c'est-à-dire que vous devez disposer de justificatifs et d'autres éléments clés, documents clés, répartis dans un système de classement qui facilite l'établissement de rapports et le contrôle des dépenses. Dans le cadre de l'examen des documents, vous devez préparer un résumé périodique de vos dépenses, ceci afin de déterminer votre performance ainsi que votre situation financière. Le contrôle de vos dépenses, il s'agit de la conduite d'un examen du budget par rapport à votre rapport périodique et peut vous aider à identifier d'éventuels problèmes de mise en œuvre. Afin de pouvoir assurer un contrôle efficace de vos dépenses, vous devez également disposer d'un système de contrôle interne sous forme de manuel financier et opérationnel. Donc, comme nous venons de le voir, le suivi, il s'agit de la consignation assidue de vos dépenses par rapport au budget et au plan de travail. L'examen permet une bonne tenue des dossiers grâce à un système de classement et un résumé et un examen périodique des dépenses grâce à un système de comptabilité. Le contrôle, budget et plan de travail, système de contrôle interne, manuel financier et opérationnel. Alors, de quels outils et ressources disposez-vous? Cette diapositive vous présente un récapitulatif des outils et des ressources qui sont à votre disposition pour mener un suivi, un examen et un contrôle de vos progrès financiers. Votre accord de coopération de projet ou accord de coopération, que l'on appelle parfois l'accord de subvention, est un de ces outils et de ces ressources. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, vous devez en avoir pris connaissance et comprendre ce qu'il contient. Deuxièmement, les plans de travail avec le budget détaillé intégrés dans votre cadre de ressources et d'allocation de ressources du ou cadre ou CRR, pardon. Troisièmement, le système de gestion de subventions ou SGS ou le GMS, le système en ligne. Quatrièmement, le système comptable, les manuels financiers et opérationnels ainsi que les règles et réglementations de votre organisation. Les justificatifs et tous les autres documents clés. Et enfin, l'appui de votre gestionnaire de portefeuille. Voici les outils et les ressources dont vous disposez pour mener à bien le suivi, l'examen et le contrôle de vos progrès financiers.
À présent, nous allons passer en revue chacun de ces outils et de ces ressources pour examiner leur utilité dans le cadre du suivi de l'examen et du contrôle de vos progrès financiers. Alors, parlons de l'accord de coopération de projet ou accord de subvention. L'accord de coopération est un document standard, il comporte 19 articles et est identique pour l'ensemble des ONG ou des entités bénéficiaires du cycle 21, dont vous faites partie. L'accord de subvention définit la relation contractuelle qui existe entre votre organisation et le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, et il est très important que toutes les personnes impliquées dans les activités du projet lisent l'accord dans son intégralité. Dans la diapositive que vous voyez à l'écran à présent, nous n'aborderons que les articles fréquemment cités qui sont liés au financement. L'article 3, durée de l'accord du projet. Cet article spécifie expressément que le projet démarre, quand le projet démarre et quand il se termine. Cette information a des implications très importantes au niveau opérationnel et financier. Par exemple, il est possible que certaines dépenses soient considérées comme inadmissibles si elles sont engagées avant ou après la durée de la période de l'accord de projet spécifiée dans votre accord. Cela signifie que vous devez veiller à n'engager aucune dépense avant ou après la période indiquée ici. À n'engager aucune dépense avant la date de début du projet et aucune dépense après la date de fin de votre projet. Article 8. Dispositions financières et opérationnelles. Cet article comprend un calendrier indicatif pour le décaissement des différents versements de la subvention. Il présente également les conditions préalables pour le décaissement du versement suivant, les documents requis et le taux d'exécution minimal acceptable, à savoir 80%. L'article 9, conservation des dossiers. Cet article porte sur l'exigence de tenir à jour des documents justificatifs adéquats permettant de prouver la validité de vos dépenses ou des dépenses que vous avez déclarées. Article 10. Exigence en matière de rapport. Cet article présente une liste des rapports requis par le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, ainsi que des échéances indicatives. Sachez que vous devez soumettre un rapport tous les 6 mois à peu près. Article 11. Exigence en matière d'audit. Cet article décrit les modalités et les exigences du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU en matière d'audit. Un module distinct sur les audits est disponible. Veuillez le consulter pour comprendre le processus et accéder aux informations sur les modalités de préparation de l'audit. Ce ne sont là que quelques-uns des articles qui sont fréquemment mentionnés, qui figurent dans votre accord de coopération. Il est très important que toutes les personnes impliquées dans le projet lisent cet accord dans son intégralité. Pour trouver les réponses aux questions que nous recevons le plus souvent, il suffit de vous référer à l'accord de coopération. Veuillez consulter l'accord de coopération de projet annoté, qui explique chaque article plus en détail. Alors, parlons maintenant du plan de travail et du budget de votre projet. Le budget est une estimation des dépenses qui sont prévues. Le budget approuvé accompagnant votre cadre de ressources et de résultats et d'allocation des ressources, ou CRR, doit être utilisé pour orienter la mise en œuvre du projet. Étant donné que le budget n'est qu'une estimation, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU tolère des variations maximales de 20% pour chaque niveau d'activité du projet, sans approbation préalable. Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'augmenter les catégories budgétaires plafonnées, c'est-à-dire le personnel, les coûts indirects, les coûts d'autogestion ou de soins du personnel, et enfin les ressources de base ou les coûts de fonctionnement. Une réaffectation de plus de 20% au niveau des activités nécessite une approbation préalable du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, en la personne de votre gestionnaire de portefeuille. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU n'est pas tenu de couvrir des dépenses dépassant les 20%, à moins que le bénéficiaire n'obtienne une approbation écrite préalable de la part de son gestionnaire de portefeuille. Bien que nous tolérions une certaine flexibilité au niveau des activités de projet, le coût total du projet est, lui, fixe. Il est possible que le coût d'un projet soit inférieur au budget prévu, mais jamais il ne sera supérieur. Tout montant non dépensé à la fin du projet est considéré comme une économie dans le cadre du projet et ne sera pas versé aux bénéficiaires. Les dépenses considérées comme inadmissibles au cours de la mise en œuvre du projet ne seront pas prises en charge ou devront être remboursées par le bénéficiaire au Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Alors, parlons maintenant de votre cadre des résultats et d'allocation des ressources, ou le CRR, ou le RRF en anglais.
Le cadre des résultats et d'allocation des ressources est une méthode de gestion stratégique de vos ressources qui est axée sur les résultats que vous vous êtes proposé de livrer. La pyramide figurant sur cette diapositive donne un aperçu du cadre des résultats stratégiques. Lorsque nous planifions le projet, le sommet de la pyramide représente l'objectif ou le but de votre projet, c'est-à-dire le plus haut niveau d'aspiration. Le tiers suivant, c'est-à-dire vos résultats intermédiaires et ensuite les résultats immédiats, découle de cet objectif. Les activités sont conçues de manière à obtenir les résultats immédiats souhaités et les estimations des coûts sont calculées pour chaque activité. Lors de la mise en œuvre et notamment pour les rapports financiers, il est utile d'inverser cette pyramide pour voir plus clairement comment chaque dépense se situe dans le cadre de l'établissement de rapports, ce qui nous permet ensuite de déterminer la performance financière du projet. À présent, nous voyons que les dépenses associées aux activités que nous mettons en œuvre doivent être associées à un résultat immédiat. Le résultat immédiat avec un résultat intermédiaire et en fin de compte, nous obtenons un rapport financier qui décrit la façon dont nous mettons en œuvre notre projet. Dans cet exemple, les dépenses consacrées au lieu de formation, au déplacement des participants ou au support imprimé ont été engagées au titre de la mise en œuvre de l'activité 1.1.1, c'est-à-dire un atelier sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ces dépenses de l'activité 1.1.1 correspondent au résultat immédiat 1.1, à savoir 40 agents de police formés à l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le résultat immédiat 1.1 correspond, lui, au résultat intermédiaire 1, qui se trouve également dans votre cadre de résultats et d'allocation des ressources. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, le résultat intermédiaire ici, dans cet exemple, est les détenteurs d'obligations réagissent mieux au cas signalé de harcèlement sexuel. Il est utile de tenir compte de cette pyramide inversée quand vous soumettez vos documents justificatifs afin de faciliter l'établissement de vos rapports et le contrôle de vos dépenses. L'observation de la pyramide permet de comprendre plus facilement l'importance de classer les documents justificatifs pour les dépenses engagées dans le cadre de chaque activité du projet. Un classement ventilé par numéro d'activité facilite non seulement la préparation des rapports, mais également la conformité aux exigences en matière d'audit et de contrôle des dépenses. Maintenant, parlons du système de gestion des subventions du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, c'est-à-dire le système en ligne sur lequel certains d'entre vous auront eu l'occasion de travailler. Le système de gestion des subventions, ou GMS en anglais, du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU est un outil qui permet de rédiger et de soumettre vos rapports en ligne. Il repose sur un modèle standard de rapport financier qui suit le format du budget de votre cadre de résultats et d'allocation des ressources. À l'instar du budget, les rapports dans le système de gestion de subventions en ligne sont libellés en dollars US. Le système de gestion de subventions assure le suivi du taux d'exécution financière. Les versements suivants sont avancés seulement une fois que le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU a déterminé que 1. Les rapports étaient satisfaisants et ils sont approuvés et que le projet a atteint un taux d'exécution d'au moins 80%. Le guide d'utilisation détaillée du système de gestion des subventions est disponible au téléchargement depuis la page d'accueil de votre profil sur le système de gestion des subventions. Parlons maintenant des exigences et des délais relativement aux rapports dans le système de gestion des subventions en ligne. Cette diapositive présente le calendrier des rapports qui est également suivi par le système en ligne. Le premier rapport que vous préparerez est un rapport d'avancement qui va couvrir les 6 premiers mois de la mise en œuvre de votre projet. Il doit être soumis au cours du 7e mois de la mise en œuvre de votre projet. Le deuxième rapport est un rapport annuel qui couvre la période complète des 12 mois précédents de mise en œuvre et doit être soumis un mois après la période qu'il couvre, c'est-à-dire le 13e mois. Les autres informations présentées dans le tableau sont assez explicites. Les rapports financiers dans le système de gestion des subventions en ligne. Le rapport financier fait partie du rapport d'avancement, annuel ou final, et vise à déclarer les dépenses par rapport au budget détaillé du cadre de résultats et d'allocation des ressources. Le rapport financier couvre exclusivement les dépenses engagées au cours de la période de rapport de 6 mois. Des orientations détaillées sur la rédaction des rapports financiers dans le système en ligne sont disponibles dans Mes documents dans la section consacrée aux directives du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, directives relatives aux rapports.
La saisie de données pour les dépenses dans le système de gestion des subventions en ligne est effectuée par catégorie budgétaire au niveau des activités du projet. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le solde de départ, le budget annuel approuvé, le budget total disponible et le solde budgétaire sont automatiquement calculés et le système saisit automatiquement les données correspondantes en fonction des informations précédemment disponibles. Ainsi, vous pouvez voir dans la colonne blanche à l'écran, pour la première ligne, si par exemple vous rentrez 100$ sur les 287,34$ que vous aviez de disponible, le système va automatiquement calculer ce qu'il vous restera, à savoir 187,34$. Parlons maintenant des contrôles internes, des règles et des réglementations et les systèmes de comptabilité. Lors de la mise en œuvre de votre projet, vous vous appuierez sur les règles et les réglementations ainsi que sur le mécanisme de contrôle interne de votre organisation. Vos documents organisationnels doivent comprendre votre manuel financier, votre manuel opérationnel et votre manuel des achats. La plupart de ces documents ont été communiqués au Fonds d'affectation spéciale de l'ONU lors du processus de contrôle. La plupart de ces documents En l'absence de certains manuels, vous pouvez suivre le manuel d'ONUFAM, mais nous préférons que vous établissiez vos propres règles et réglementations en fonction de la taille et des capacités de votre organisation, bien sûr. Un exemple de manuel très simple pour une petite organisation est disponible dans la bibliothèque des documents, dans la section sur les ressources destinées aux bénéficiaires. Vous devez également disposer d'un système de comptabilité établi. Il convient de noter que ce système que vous utilisez doit pouvoir faire la distinction entre les fonds qui vous ont été versés dans le cadre de cette subvention du Fonds d'affectation spéciale et ceux de vos autres bailleurs. Un module distinct sur la gestion opérationnelle abordera les contrôles internes un petit peu plus en détail. Parlons maintenant des systèmes de gestion des dossiers, des justificatifs et des documents clés. Les bénéficiaires doivent tenir des dossiers et des documents exacts et à jour de toutes les dépenses qui ont été engagées avec les fonds qu'ONUFAM a mis à leur disposition. Ces documents seront régulièrement contrôlés pour garantir la validité des transactions qui figurent dans vos dossiers, dans vos rapports financiers. Nous ne saurions suffisamment insister sur l'importance de s'assurer que ces justificatifs appropriés sont disponibles pour l'intégralité de vos dépenses. Les systèmes électroniques de tenue des dossiers doivent être conçus de manière à ce que les justificatifs soient conservés dans un format électronique accessible, sous forme d'exemplaires numérisés des documents originaux. La copie papier originale doit rester à disposition pour une période minimale de 4 ans après la fin du projet. Je vous rappelle que nous vous recommandons fortement de ranger ces dossiers et ces documents justificatifs par numéro d'activité. Le système pour tous les dossiers financiers doit être configuré de façon à classer les justificatifs par activité dans le cadre de résultats et d'allocation des ressources ou dans le plan de travail. Notez chaque document et attribuez à sa copie électronique le même numéro ou la même référence. Créez un dossier électronique séparé pour chaque période de rapport. Ce dossier doit être divisé en plusieurs sous-dossiers correspondant à vos activités dans le cadre de résultats et d'allocation des ressources. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, par exemple ici, vous avez un dossier qui est dédié au rapport de l'année 1 qui couvre la période de septembre 2018 à février 2019. Ensuite, chaque activité a son propre dossier. Dans chacun de ces dossiers, vous pourrez mettre les documents justificatifs qui correspondent aux dépenses qui ont été effectuées pour chacune de ces activités dans chacune de ces périodes. Les partenaires de mise en œuvre doivent suivre le même système de classement pour faciliter la soumission correcte, précise et rapide des états financiers. Le type de justificatif qui vous sera demandé varie selon la catégorie ou le type des dépenses. En général, nous vous demanderons des reçus, des bordereaux de paiement et des factures, ce qui permet de justifier l'achat de biens et de services. Les frais de personnel nécessitent, eux, des feuilles de temps et des bulletins de salaire, par exemple. Les dépenses pour les déplacements sont justifiées par des titres de transport et divers types de reçus. Les justificatifs doivent prouver l'exécution du paiement final, mais également toutes les étapes du processus de dépense, présentant ainsi tous les détails de la transaction dans son intégralité. Dans l'exemple ci-dessous, illustrant
dans l'exemple que vous voyez sur la diapositive, illustrant la documentation du recrutement d'un consultant, les dossiers doivent contenir une description ou les termes de référence du poste, une preuve de parution d'une offre d'emploi ou de publication de cette offre d'emploi, les CV des candidats qui ont postulé, un test écrit, une matrice d'évaluation qui permet d'évaluer les CV et le résultat des tests, l'approbation du candidat sélectionné, un contrat de consultance, des livrables certifiés, une demande de paiement approuvée, un bordereau de paiement, etc. Ainsi, l'ensemble de ces documents permet de présenter les détails de la transaction dans son intégralité, du début jusqu'à la fin. Pour une liste des justificatifs les plus courants, vous pouvez consulter le document sur les directives budgétaires dans la bibliothèque de vos documents, dans la section sur les ressources destinées aux bénéficiaires. Ce document présente des exemples de justificatifs pour chaque catégorie de dépenses. Le formulaire relatif aux documents justificatifs. Chaque bénéficiaire doit remplir un formulaire du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU qui est relatif aux documents justificatifs pour chaque période de rapport financier. Ce document accompagnera les dossiers numérisés qui vont être soumis dans le cadre du contrôle financier par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU et comprend les informations suivantes. 1. Le numéro de l'activité qui a généré les dépenses. Et c'est pour ça que l'on vous demande de classer vos documents justificatifs par activité. La référence du document pour les dépenses, c'est-à-dire le nom du document électronique. La date à laquelle les dépenses ont été effectuées. Le détail de ces dépenses, la devise de la transaction, le montant en devise locale pour les paiements qui n'ont pas été effectués en dollars américains, le taux de change qui va être appliqué pour la conversion en dollars américains, le montant final en dollars américains et des commentaires si besoin est. Les informations figurant sur le formulaire relatif aux documents justificatifs doivent correspondre au rapport financier certifié soumis dans le système de gestion des subventions au niveau des activités. C'est-à-dire que les sous-totaux, pardon, indiqués en dollars US pour les activités doivent correspondre dans les deux documents, c'est-à-dire dans le document que vous voyez à l'écran et dans votre rapport financier dans le système de gestion de subventions en ligne. Si les sous-totaux ne correspondent pas, ça veut dire que vous avez fait une erreur quelque part. Le formulaire relatif aux documents justificatifs doit présenter un suivi des dépenses en dollars américains et dans la devise locale et indiquer clairement le taux de change utilisé pour chaque transaction. Si le compte bancaire du bénéficiaire est dans la devise locale, le taux de change à la date de réception du versement doit être utilisé pour calculer les dépenses en dollars américains. Par contre, si votre compte bancaire est en dollars américains, le taux de change en temps réel aux dates des transactions ou des retraits bancaires doit être utilisé lors de la conversion des dépenses en dollars américains. À présent, abordons l'admissibilité des coûts. Quels sont les critères qui s'appliquent? En ce qui concerne les dépenses, il est important de souligner les critères que le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU applique pour déterminer l'admissibilité des coûts ou de vos dépenses. Tout d'abord, la dépense doit représenter un coût réel pour l'organisation. Cela signifie que les dépenses prévues ne sont pas déclarées dans le rapport financier. Elles doivent être réalisées ou engagées pour figurer dans le rapport financier. Donc, je reprends. Les dépenses prévues ne peuvent pas être déclarées dans le rapport financier. Elles doivent être réalisées ou engagées pour pouvoir figurer dans le rapport financier. Les coûts prévus ou budgétisés peuvent ne pas correspondre aux coûts réels. Les audits constatent souvent l'utilisation de coûts prévus de personnel, par exemple. Le paiement de personnel ou de consultants doit être justifié par des feuilles de temps que l'agent agréé de l'organisation a approuvées ou contrôlées. De même, les avances pour lesquelles des services n'ont pas encore été reçus ne peuvent pas figurer dans le rapport financier. Vous devez attendre que ces services soient reçus, effectués, complétés. Par exemple, si vous travaillez avec un partenaire et que vous lui avez octroyé une sous-subvention des fonds avancés, cette sous-subvention ne doit pas être intégrée dans le rapport financier tant que vous n'avez pas reçu les justificatifs du partenaire et apuré cette avance. Le rapport financier repose sur une comptabilité de caisse et donc non sur une comptabilité d'exercice. La seule exception est pour l'évaluation finale externe du projet.
Dans ce cas, l'organisation du bénéficiaire peut intégrer les charges à payer liées à l'évaluation finale dans le rapport financier final. C'est la seule exception. Numéro 2. Les dépenses doivent être générées par des activités qui ont été approuvées dans votre document de projet. Les dépenses doivent avoir été générées par une activité que le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU a précédemment approuvée, soit dans le cadre du document de projet, soit via l'approbation du gestionnaire de portefeuille après consultation. Troisièmement, cette dépense doit avoir été engagée au cours de la période de mise en œuvre. Dans la diapositive précédente, nous avons vu que la période de mise en œuvre pour le projet est expressément stipulée dans votre accord de coopération de projet. Toutes les dépenses indiquées dans le rapport financier doivent avoir été engagées au cours de cette période de mise en œuvre. Le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies considérera comme inadmissible toute dépense indiquée dans le rapport financier qui a été engagée avant ou après la période de mise en œuvre. La dépense doit être identifiable et vérifiable. Toutes les dépenses déclarées dans le rapport financier doivent pouvoir être clairement identifiées ou rapprochées d'une ligne budgétaire. La dépense doit être vérifiable, c'est-à-dire qu'elle doit être justifiée par des documents qui confirment la transaction et le fait que le bénéficiaire a bien dépensé les fonds pour régler le paiement des services ou de biens. Ensuite, la dépense doit être raisonnable, justifiée et conforme à une bonne gestion financière. En cas de légère divergence entre le montant budgétisé et les dépenses réelles, par exemple, ces divergences doivent être raisonnablement justifiées et conformes à une bonne gestion financière. Par exemple, une divergence excessive entre le taux budgétisé pour un sous-traitant et un paiement réel doit être justifiée. Ce sont là des critères de base pour l'admissibilité des coûts. Veuillez toutefois noter que les coûts précédemment considérés comme admissibles ou approuvés dans le rapport financier pourraient être déclarés comme inadmissibles si un audit ou une mission de vérification menée par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU constate que cette dépense enfreint l'un des 5 critères mentionnés. À présent, abordons la question des paiements en espèces. Il est généralement déconseillé de payer les fournisseurs de biens et de services en espèces. Tous ces types de paiements sont régulièrement dénoncés par les audits dans leurs conclusions concernant la gestion de la subvention. Bien que dans certains contextes, des régions où les activités ont lieu, les facilités bancaires soient limitées, il est essentiel que tous les paiements en espèces fassent l'objet d'une documentation adéquate afin de fournir une piste d'audit supplémentaire, car tous ces paiements en espèces sont contrôlés dans leur intégralité. Les bénéficiaires doivent s'assurer qu'une politique de trésorerie officielle est en place avec des plafonds définis pour les paiements en espèces. Une petite caisse doit être établie pour administrer les paiements en espèces correspondant aux petites dépenses lorsque l'utilisation d'un chèque ou d'un transfert électronique n'est pas utile. Les décaissements hors cycle. Les conditions suivantes doivent être respectées si vous souhaitez soumettre une demande de décaissement hors cycle. 1. Votre rapport précédent a été approuvé, mais pas le décaissement du prochain versement, en raison d'un taux d'exécution faible, c'est-à-dire que vous avez soumis votre rapport, il a été approuvé, mais vous n'avez pas atteint le taux d'exécution de 80%. 2. Vous disposez d'un délai de plus de 40 jours avant l'échéance de votre prochain rapport ou de votre prochain rapport annuel. De votre prochain rapport d'avancement, donc qui couvre 6 mois, ou de votre prochain rapport annuel. 3. Votre taux d'exécution actuel est de plus de 80%. Vous n'êtes pas admissible à la soumission d'une demande de décaissement hors cycle dans les conditions suivantes. 1. Vous êtes dans la première année de mise en œuvre du projet. Donc, pour recevoir le prochain versement, vous devez d'abord soumettre votre premier rapport annuel. 2. Vous avez déjà reçu le versement correspondant à l'année en cours suite à l'approbation du rapport annuel, du rapport d'avancement ou d'une demande antérieure de décaissement hors cycle. Le formulaire de demande de décaissement hors cycle est similaire à celui que vous devez remplir quand vous êtes en train de travailler sur votre rapport financier et comprend le dernier rapport financier approuvé avec une colonne supplémentaire qui vous permet d'indiquer les dépenses supplémentaires qui ont été engagées depuis que ce dernier rapport a été soumis et approuvé. Donc, comme vous le voyez à l'écran, cela ressemble fortement au rapport financier que je vous ai montré tout à l'heure.
Les modifications budgétaires. Toute variation budgétaire qui dépasse 20% pour une ligne d'activité directe du projet donné ou tout autre ajustement budgétaire nécessaire pour mener à bien la mise en œuvre de votre projet doit obtenir l'approbation préalable du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Dans les cas où des changements prévus affecteraient le budget, vous pourriez devoir modifier le budget. La modification du budget consiste à réaffecter des fonds disponibles pour l'année de mise en œuvre en cours vers une ou plusieurs lignes budgétaires et activités existantes ou nouvellement créées. Ces fonds, disponibles comprennent le budget annuel approuvé pour l'année en cours ainsi que les fonds de l'année précédente qui n'ont pas été dépensés, donc les économies que vous avez pu faire pour l'année d'avant, ainsi que les fonds disponibles pour l'année en cours, vous pouvez les redistribuer vers les activités pour l'année en cours, les activités existantes ou des nouvelles activités. La modification du budget ne peut être effectuée qu'une fois par an ou deux fois sur la durée totale de votre projet. Le bénéficiaire ne sera pas autorisé à réaffecter le budget pour les années passées ou futures. Si le bénéficiaire souhaite réaffecter le budget pour une année future, il doit soumettre une nouvelle demande de modification de projet au début de l'année de mise en œuvre concernée. La demande de modification de projet ne peut être lancée que s'il reste plus de 40 jours avant la date d'échéance de soumission du prochain rapport. Donc, s'il reste moins de 40 jours avant la date limite de soumission de votre rapport, vous ne pourrez pas faire une demande de modification de projet. Le système de gestion de subvention en ligne ne vous laissera pas le faire. Il est important de comprendre que dans le cadre d'une modification du budget, il n'est pas possible d'augmenter les catégories budgétaires qui sont plafonnées, telles que celles consacrées aux coûts de personnel, aux coûts indirects, aux ressources de base ou de soins du personnel, ainsi qu'aux coûts d'autogestion. Toutefois, les économies réalisées sur ces lignes budgétaires peuvent être réaffectées à des activités directes du projet s'il est estimé que c'est nécessaire. La modification du budget fait partie de l'exercice de modification du projet, dont le flux de travail est représenté sur cette diapositive. Vous envoyez un projet de plan de modification à votre gestionnaire de portefeuille avec une justification détaillée pour les activités modifiées et une fois que le gestionnaire de portefeuille l'a approuvé, vous pouvez appliquer la modification dans le système. Donc, comme vous le voyez à l'écran, tout d'abord, vous contactez votre gestionnaire de portefeuille. Ensuite, vous discutez en détail des modifications qui sont souhaitées avec votre gestionnaire de portefeuille. Ensuite, vous rédigez la demande de modification de projet et du budget. Avant de soumettre la demande de modification de projet, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire de portefeuille à nouveau. Votre gestionnaire de portefeuille est en mesure de lire la modification de projet et d'apporter des commentaires hors ligne. La demande de modification du projet est ensuite soumise via le système en ligne. Elle est examinée et approuvée par le gestionnaire de portefeuille et ou approuvée automatiquement selon le type de modification. En résumé, la préparation de votre rapport financier devrait être relativement simple si vous effectuez un suivi, un examen et un contrôle de vos dépenses rigoureux. Le processus n'est pas très différent de la tenue de vos finances personnelles. Voici un exemple de déroulé du cycle de vie financier de votre projet. Tout d'abord, vous recevez les fonds du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU sous forme d'avance. Vous engagez des dépenses en fonction de votre cadre de résultats et d'allocation des ressources en vous appuyant sur les règles et les réglementations de votre organisation ainsi que sur les critères du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU en matière d'admissibilité des coûts. Et je vous en ai parlé précédemment. Ensuite, vous consignez rigoureusement et vous classez l'ensemble des justificatifs par activité. Et enfin, vous préparez un rapport financier en conséquence. La phase de clôture du projet nécessite que le bénéficiaire exécute une série de tâches. Tout d'abord, vous allez soumettre un rapport final qui sera certifié, comprenant un rapport financier final, un rapport sur les résultats et les activités et un rapport descriptif. Il doit être soumis dans un délai d'un mois après la date de fin de votre projet. Au total, le rapport descriptif ou narratif doit couvrir toute la période de mise en œuvre du projet et les rapports financiers ainsi que le rapport sur les résultats et les activités, eux,
couvre les 6 derniers mois du projet. Donc, dans la partie descriptive, vous allez pouvoir nous fournir une analyse sur l'ensemble du projet depuis le début. À l'étape de clôture, le bénéficiaire doit préparer un rapport sur les actifs qui ont été acquis. Si l'organisation souhaite conserver les actifs, une demande officielle de conservation des actifs doit être envoyée au Fonds d'affectation spéciale de l'ONU pour l'examen et l'approbation. Chaque organisation recevant une subvention importante doit soumettre un rapport d'évaluation finale dans un délai de 2 mois à compter de la fin du projet. Si le rapport d'évaluation ne répond pas à des normes satisfaisantes, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU a le droit de conserver le versement final de 10% ou le montant correspondant au coût de l'évaluation. Pour les petites subventions, l'évaluation finale sera gérée par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. S'il est estimé que tous les documents précités sont satisfaisants, le solde des dépenses du projet sera versé aux bénéficiaires à partir des 10% restants conservés par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Tout solde de fonds non engagé, selon le rapport financier final, devra être retourné à ONUFAM dans un délai de 2 mois à compter de la date d'achèvement du projet. Donc les économies que vous réaliserez une fois que vous aurez fini la mise en œuvre du projet, vous devrez les rembourser à ONUFAM à compter de 2 mois après la date de fin de votre projet. Pour finir, nous souhaitons terminer par quelques meilleures pratiques permettant de simplifier autant que possible l'établissement de vos rapports financiers. Tout d'abord, préparez un résumé mensuel de vos dépenses. Classez vos documents justificatifs par activité concernée ou, au minimum, étiquetez-les pour pouvoir les retrouver facilement. Menez des contrôles internes appropriés, par exemple répartition adéquate des tâches pour protéger les ressources. Si vous octroyez une sous-subvention, menez un suivi des dépenses de vos bénéficiaires de sous-subvention en leur demandant de vous soumettre régulièrement des rapports financiers. Apurez les avances que vous leur versez en fonction de leur rapport et des documents justificatifs associés. Ces pratiques vous aident non seulement à soumettre vos rapports au Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, mais elles améliorent aussi la capacité de votre organisation à gérer les financements que vous recevrez d'autres bailleurs. Voilà. Félicitations. Vous avez terminé le module 4 sur la gestion financière de votre subvention du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. À présent, vous devriez être en mesure d'assurer avec efficacité la mise en œuvre financière et le suivi de votre projet.